Actuellement en garde à vue. Avec 4 individus, Salah Abdeslam devra répondre de ses actes devant la justice française. Il s'agit d'un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe. Les opérations de la semaine écoulée ont ainsi permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs individus qui ont fait la preuve de leur extrême dangerosité et de leur totale détermination. D'ores et déjà, dans le cadre des procédures ouvertes à la suite des attentats du 13 novembre, 10 individus ont été mis en examen, dont 2 en France et 8 en Belgique. Comme vous le savez, d'autres individus sont encore activement recherchés. Depuis le début de l'année en France, ce sont déjà 74 individus en lien avec des activités terroristes qui ont été interpellés. 37 ont été mis en examen, 28 ont été écroués.